Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, enfin on va tout savoir sur la nouvelle civilisation viking et les nouveaux commandants avec un nouveau leak fantastique du 1093. Encore une fois, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On y parle de tout, de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore des leaks et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Encore un leak du 1093, encore une fuite. Comment font-ils? Je pense à force que le 1093 a forcément un développeur de Lilith chez eux, car je ne vois pas comment ils font pour avoir toutes ces infos en avance. J'ai été voir sur mon compte du 1002, non, les Vikings ne sont pas encore release. Merci également à Godbless de m'avoir envoyé ces screens dès ce matin pour que je les voie. Ils étaient tout chauds, à peine sortis, et on les a. Alors, ils ne sont pas tous d'une qualité exceptionnelle pour le moment, mais au moins, on va pouvoir tout voir. On commence donc immédiatement avec la civilisation viking. Regardez les bonus. Alors déjà, on voit comment l'hôtel de ville va être. Il va être terrible. Moi, je le trouve vraiment très stylé. C'était prévisible, hein, mais énormément de joueurs vont donc prendre les vikings car leur skin, il déchire. Le thème de l'hôtel de ville, franchement, il est ouf. Les special units, regardez, c'est les berserkers. Donc, c'est une civilisation, comme on le savait, qui est axée sur l'infanterie, berserkers, special units. Regardez le pouvoir Blessing of Odin. C'est le pouvoir des vikings. Ils augmentent l'attaque de l'infanterie de 5%. Alors, on aurait préféré, bien évidemment, de la santé ou de la défense, puisque santé est supérieure à défense, défense supérieure à attaque. Attaque, c'est le moins intéressant des trois, mais c'est quand même très bien pour les joueurs qui jouent infanterie comme moi. C'est même plutôt de la balle. Imaginez avec ma Zenobia YSS en défense, ça va taper du lourd, cette augmentation de l'attaque de 5%, même si, encore une fois, ça aurait été mieux du soin. Ensuite, regardez les dommages de contre-attaque augmentés de 3%. Alors ça, c'est très bien, même pour les joueurs de petits, les free players, même pour les nouveaux joueurs, puisqu'imaginez quand vous avez Martel, sa contre-attaque, elle est déjà énorme. Si on l'augmente encore de 3%, c'est vraiment de la balle, par exemple. Et pour finir, augmentation. Alors ça, c'est oufissime. Augmentation de la charge des troupes de 10% au début du jeu, ça paraît rien. Mais ça aide énormément cette augmentation de charge de troupes de 10%. Un vrai gros bonus, très intéressant vraiment. Je pense que cette civilisation a été très bien pensée au début du jeu. Ça va aider vraiment pas mal. On voit donc le petit drapeau, il est sympa. Hein, c'est un petit marteau d'Odin, je dirais, à l'envers. Il est vraiment très très sympa. On voit les deux unités donc à gauche, les berserkers et les élites berserkers. Donc on voit les deux différentes troupes. Alors évidemment, la différence c'est que l'un était 4, l'autre était 5. Hein. Les berserkers T4, les élites berserkers T5. Regardez les bonus, ils sont traditionnels. Hein. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est surtout les skins qui sont intéressants. Il faudrait voir la tête qu'ils ont sur la carte, mais normalement, sur la carte, hein, les skins qu'on a là en miniature sont très, très ressemblants. Ils sont vraiment, en général, d'une très bonne qualité. Rien de particulier, donc à part ce bonus, hein, Blessing Odin, l'augmentation de l'attaque 5 et le contre-attaque de 3. Vraiment, il va falloir voir comment ça se passe sur le champ de bataille. Sachant qu'à mon avis, maintenant, les leads en défense vont peut-être, il va falloir voir le test, hein, encore une fois, avec la défense ou le soin, vont peut-être à présent prendre cette civilisation, voilà, pour avoir ces bonus-là. Passons à présent aux deux commandants. Et hier, on avait l'interrogation avec les screens que je vous avais montrés avec les stats. Est-ce que on va avoir un commandant légendaire, un commandant épique, deux commandants légendaires, deux commandants épiques? Eh bien, on a la réponse de manière assez traditionnelle. On a un commandant épique et un commandant légendaire. On commence donc par le commandant épique. Regardez ce commandant. Il s'agit de Bjorn Ironside. Alors là, je n'ai pas de problème de prononciation à mon avis. Hein. C'est bien son nom, Bjorn Ironside. Et donc, ce commandant épique, on le voit, il a des stats qui sont plutôt sympas. Hein. Déjà, première chose qu'on constate tout de suite,
c'est que c'est un commandant infanterie. Infanterie, conquête et compétence. Donc, un arbre qui est assez sympa en général. Le conquête, c'est pas le mieux, mais pour un commandant épique, c'est pas mal du tout. Comment obtient-on, avant de s'intéresser à Bjorn, comment on l'obtient? On le voit, alors là, on peut avoir un petit peu la rage pour ceux qui avaient gardé leur clé, comme je l'avais dit, jusqu'à la fin avril, puisque avec les retards de Lilith, il s'avère que c'était fin mai, il aurait fallu tenir un mois de plus, puisque ce commandant, on peut bien évidemment l'obtenir dans la taverne. Alors moi, j'avais gardé toutes mes clés en argent, hein, j'en ai près de 6000. Donc forcément, il va être expertisé en 5 secondes. Et puis de toute façon, on a tous des tonnes de sculptures en argent. Donc c'est pas vraiment ça le problème. Donc la taverne, l'expédition, on peut l'obtenir dans l'expédition. Mais attention, il ne remplace pas Etelfleda. Regardez, dans l'expédition, on peut l'obtenir dans le store des médailles. Ils disent qu'il peut être occasionnellement disponible, comme les autres commandants en fait qui sont déjà dans la taverne, donc rien de nouveau. Et lors de certains events, on pourra l'avoir, je pense qu'à la sortie de la cible, évidemment, on va avoir des events pour avoir ce commandant. Ensuite, on va regarder ce qu'il se passe au niveau des skills. Le skill numéro 1, compétence de rage 1000, il deal des directs dommages avec un facteur de 200 au départ, un facteur direct, un facteur de 500 ensuite. Skill dommage take increase by de 2 à 20%. Donc là, regardez, il augmente les dommages qu'il prend de 2% pendant 3 secondes. Alors là, est-ce que c'est une erreur de traduction? Increasing the skill damage taken. Est-ce qu'il prend plus de dommages? Est-ce qu'il augmente en même temps qu'il donne plus, qu'il reçoit plus? C'est possible, car il faut savoir que souvent dans les jeux, moi c'est comme ça que je le comprends, souvent dans ce genre de jeu, quand un commandant passe en mode berserk, et eh bien il fait beaucoup plus de dommages, mais il en prend aussi beaucoup plus. Sachant qu'un direct damage factor de 500, c'est énorme, mais de l'autre côté, hein, il prend 10% de dommages en plus dans les dents, c'est pas mal aussi. Hein. Il va bien morfler, il va falloir bien le stuffer pour pas qu'il meure en 5 secondes. Ensuite, on a Longbot Marauder, les troupes menées par ce commandant gagne 2% d'attaque hein, quand il attaque une ville. C'est sympa et ça va jusqu'à, ça monte jusqu'à, alors c'est assez flou, ça monte jusqu'à 15%. Voilà, l'attaque bonus sur les villes de 5%, bon ça va avec le skill conquête. C'est pas mal aussi, c'est intéressant, surtout pour un commandant épique, on n'en a pas des comme ça. Le skill numéro 3, Viking Lord, passive skill, l'infanterie, les unités d'infanterie dirigées par ce commandant ont 2% d'increase attaque et 2% de défense en plus. Ça va jusqu'à 10% pour l'attaque comme la défense. Donc un très bon skill, encore une fois, pour l'infanterie, vraiment bien propre ce commandant épique. Le skill numéro 4 est aussi un passive skill. Normal attaque ont 10%, les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter les dommages sur la cible de 300 et ça va jusqu'à 500, même jusqu'à 800, pardon. Et ça peut se déclencher toutes les 5 secondes, très puissant aussi. Franchement, des commandants vraiment puissants. Et le dernier, l'expertise de ce commandant épique, qui est très sympa en tout cas. Un bon commandant infanterie, ça nous manquait en épique. Il donne des dommages directs, ça va de 500, ça augmente. Donc sans l'expertise, c'est de 500 et ça augmente de 10% les dommages pris pendant 3... Ah non, their skill damage taken. Si, c'est ça. Hein. De 10% pendant 3 secondes. Augmente avec l'expertise, ça va jusqu'à 700%. Et en revanche, hein, ça augmente de, et ça donne sur 2 ennemis. Donc ça fait de la zone. C'est bien ça. Hein. Et ça prend 15% de skill dommage pendant 3 secondes. Increase skill dommage. Alors là, vous voyez, j'ai encore un doute hein, sur la traduction. Increase skill dommage taken. C'est taken qui me pose problème. Donc à mon avis, c'est peut-être que ça. Il encaisse plus. C'est peut-être ça. Il prend pas plus de dommages, mais il encaisse plus. J'ai un doute vraiment sur ce skill. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous sur votre avis en commentaire ou sur le Discord parce que là, j'ai vraiment un doute hein, sur qu'est-ce que ça fait cette compétence. Est-ce qu'il prend plus de dommages, donc il subit plus de dommages, comme je vous le disais, qu'on a souvent en mode berserk dans plein de jeux quand le commandant passe dans ce mode-là, ou est-ce qu'il encaisse plus de dommages? Est-ce que ses skills de dommages font qu'il est capable d'augmenter le nombre de coups qu'il peut encaisser et donc sa vie descend moins vite? Je pense que c'est le premier scénario. Hein. Il prend plus de dommages,
dans la tête. Mais à vérifier, on va pouvoir le savoir très rapidement puisqu'il devra arriver normalement dès la semaine prochaine. On passe à présent au deuxième commandant, au commandant légendaire. Et là, Lilith a encore une fois fait les choses bien sur cette nouvelle civilisation. Vous allez le voir, il est tout simplement énormissime. Regardez donc, il s'agit de... Écoutez, Ragnar. Il s'agit de Ragnar. On ne prononce pas le E apparemment. Ragnar, voilà. Lodbrok. Donc, Ragnar, on va aller voir tout de suite ce qu'il fait au niveau des skills. Mais avant ça, regardez, pareil pour l'avoir, la taverne. Et là, si on avait gardé nos clés, on aurait peut-être dû les garder un mois de plus. On aurait pu l'avoir. Mais bon, on a d'autres commandants aussi à monter. Donc, l'un dans l'autre, ça ne change rien. Et on peut l'avoir donc dans la taverne. On peut l'avoir dans l'expédition aussi, tout comme les autres commandants. Et regardez, on peut l'acheter dans un bundle. Légende, la légende du Nord. Je crois que si on accepte les commandants qu'on a eus, qui étaient des commandants événementiels, comme Lubu par exemple, c'est la première fois donc, qu'on a un commandant qu'on peut acheter, à ma connaissance, hein, qu'on peut acheter dans un bundle directement. Donc la légende du Nord, on va voir ce qu'est ce bundle. En tout cas au niveau des skills, on n'a pas de doublons cette fois, on a bien tous ses skills. Au niveau de son arbre, leadership, conquête, attaque. Donc, on a encore la conquête, on n'a plus le skill, le dernier arbre, hein, c'est bien de l'attaque cette fois et non pas comme sur le commandant épique de la compétence. Et on n'est plus en infanterie, là je suis surpris, on n'est plus en infanterie, on est en leadership. J'aurais bien évidemment préféré, comme beaucoup d'entre vous, que ce soit une nouvelle fois de l'infanterie. Alors, regardons donc les skills. Le premier skill, il se déclenche à 1000. Un active skill, les troupes dirigées par ce commandant augmentent leur dommage de 10% et réduisent, là au moins c'est clair, réduisent de 5% les dommages reçus de 5% pendant 4 secondes, ouais, j'ai du mal, hein, jusqu'à 15%. Donc le dommage bonus va jusqu'à 30%, la réduction de dommages subis va jusqu'à 15%. Un bon premier skill bien utile. Le deuxième, The Raven, l'attaque de ce commandant est augmentée, les normales attaques sont augmentées de 5% et elles ont 10% de chance de réduire, et ça va jusqu'à 20%, les effets de soins de la cible de 20% pendant 3 secondes et ça va jusqu'à 40%. Donc on peut augmenter l'attaque de jusqu'à 20% et on peut réduire les soins de la cible jusqu'à 40%. Ça, c'est propre aussi. Le troisième skill, Horn's Call. Les troupes dirigées par ce commandant ont 2% de chance d'increase dommage when attacking cities. Ils augmentent de 2% les dommages quand ils attaquent la ville. Ça va jusqu'à 10%. Encore une fois, c'est rattaché au skill conquête. Pas le plus intéressant, mais peut-être on va voir en rallye. Ça me paraît pas énormissime, hein, comme commandant. Pour rallye, le Lord du Nord, le skill 4 avant l'expertise. La capacité de troupes de ce commandant peut être augmentée jusqu'à 10%. Alors 10%, c'est pas mal du tout, hein. Ça reste un bon skill, 10%. Ça peut paraître moins que certains commandants qu'on a déjà. Par exemple, si on prend César, c'est 15%. Donc oui, c'est moins, mais c'est déjà intéressant parce qu'il est plus intéressant que César quand même. Ce commandant, ça aussi, c'est rattaché. Ça peut être rattaché à conquête, je pense. Ouais, ça doit être rattaché à conquête quand même. Ou à attaque, je ne sais pas sur quel arbre on pourrait mettre cette compétence-là. Et quand il lance des rallyes, les troupes... Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Les troupes ralliées ont 10% de capacité en plus. On a 10% de capacité de rallye en plus. Ça, c'est pas mal du tout. Ça va piquer. Donc finalement, je vous disais, c'est peut-être pas le commandant pour attaquer, le meilleur commandant pour faire des attaques de bâtiments ou de villes. Là, c'est pas mal du tout. Bon, ce skill-là, il me donne vraiment envie. On regarde l'expertise. L'expertise améliore le premier skill. Donc, sans l'expertise, donc Odin's Might, je ne sais même pas le prononcer, sans l'expertise, les troupes dirigées par ce commandant ont 30% d'increase dommage et 15% de réduction de dommage pendant 15 secondes. Avec l'expertise, on passe à 40% de dommage en plus et 20% de réduction de dommage pendant 5 secondes.
C'est assez énormissime, les amis. Je trouve vraiment ces commandants très, très intéressants. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Là, pour le coup, Ragnar, je le trouve vraiment pas mal. Le commandant épique, pas mal. Alors, à tester, mais je suis vraiment très agréablement surpris par cette nouvelle civilisation. Elle me paraît vraiment très, très bien réussie. Et je comprends qu'un grand nombre de joueurs souhaitent prendre Viking. Déjà, ils ont la classe. Et en plus, ils ont des skills vraiment sympas. J'espère qu'on pourra rapidement, les amis, les tester et en savoir davantage. Normalement, dès la semaine prochaine, on va pouvoir tout savoir sur ces commandants. Avant de finir cette vidéo, les amis, je vais vous montrer quelques petits screens. Vous allez le voir, assez drôle. Rappelez-vous, je vous avais montré le SW de Schizgul qui avait blindé de forteresses leur territoire. Je vous avais dit, c'était pas très fair play vu que le 400, alors c'est plus le 400, c'est le 1114 avait gagné. Ils avaient blindé de 27 forteresses pour pas qu'ils puissent aller prendre leur forteresse croisée et avoir les bonus. Eh bien, regardez. Regardez ce qui est arrivé, et il y a une justice quand même, hein. C'est le karma. Le 114 a trouvé une toute petite place pour mettre sa forteresse. Ils n'ont même pas eu à détruire les forteresses du SW du 1075. Ils se sont posés au KLM en contact direct. Tranquille, une petite forteresse en contact direct. Ils n'ont rien eu à détruire. J'ai trouvé ça très très drôle. Et franchement, ce genre de bug, je l'ai déjà subi. Alors certains disent que ce n'est pas un bug, mais c'est une zone où les zones sont arrondies. Donc il y a un tout petit trou et on peut mettre une forteresse dedans. Quand vous le subissez, vous avez la rage. En tout cas, quand vous voyez comme ça que c'est le karma qui leur met, c'est plutôt drôle. Mais ce genre de bug, il faudrait plutôt le patcher assez rapidement hein, pour éviter que ça se produise. Parce que personnellement, quand le terrain il est couvert, il n'y a pas de possibilité de poser comme ça un petit trou, une forteresse ou un flag ou n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est très très bien joué de la part du 114. On va finir avec un joueur énormissime, les amis, énormissime. Je vous en ai déjà parlé. C'est notre ami Godfather. Godfather qui est en plein KVK et qui est déchaîné. Regardez son nombre de points de meurtre. Alors, c'est le record actuel, à mon avis. Si vous connaissez un joueur qui a plus, encore une fois, n'hésitez pas à venir me partager le screen sur le Discord. Points de meurtre, 13 milliards 476 millions 358 208. Il ne rigole pas. Regardez bien la puissance de Godfather. Il n'a pas à rougir face à un Bunny ou face à un Zangbot, 162 millions. Pourquoi je vous dis de regarder sa puissance? Car regardez ce second screen pour monter à 13 milliards. Il est parti de combien? Il est parti de 414 millions 559 000, et donc il a chuté de près de plus de 200, 300, presque 300 000, donc 260 000 troupes, il perdu de puissance 260 millions, pardon, de puissance perdue. C'est énormissime, c'est un joueur de ouf. Il n'est que à 59 millions de morts, un tout petit peu moins qu'un Bunny ou un Zangbot, mais ça reste énormissime. Donc encore une fois, les amis, si vous avez un joueur sur votre KVK ou sur votre serveur qui a plus de points de meurtre que notre ami Godfather et ses 13 milliards et demi de points de meurtre, hein, c'est assez énormissime. N'hésitez pas à venir me mettre le screen. Je suis preneur. Pour moi, Godfather à ce jour est devant Bunny et Zangbot et autres Death Squad. C'est vraiment le numéro 1. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous, les amis? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock.